Côté mer, voiliers et yachts de plaisance. Côté rue, une montagne de poubelles qui commence à fermenter. Plus on fouille, plus vous sentez l'odeur. Parce que là, il n'y a pas l'odeur à la télévision. Là, je vous dis pas le... Au port de plaisance d'Ajaccio, les services de ramassage n'étaient pas venus depuis 8 jours. Tous les jours, on en enlève et tous les jours, c'est rajouté par-dessus. Ça fait que pour évacuer le temps perdu, je dirais, ça a demandé plusieurs jours. Dans cette résidence du nord de la ville, les poubelles ont envahi la route. On paye des charges, des ordures ménagères pour ça et on commence à avoir les odeurs, bientôt les rats. Donc c'est pas normal quoi. C'est pas normal qu'on en soit arrivé à ça. 850 tonnes d'ordures jonchent toujours les rues d'Ajaccio. Les écoles et les hôpitaux sont prioritaires. Ce matin on a commencé, puisque les centres ont repris, on a enlevé 160 tonnes ce matin. Et pour aller plus vite, parce qu'autrement, comme il y a 100 tonnes qui arrivent chaque jour, on va mettre en balle à partir de mercredi à Saint-Antoine, ce qui veut dire qu'on devrait en moyenne retirer entre 250 et 300 tonnes par jour. C'est ici que sont déversées les ordures, au quai de transfert du groupe Roca. Les déchets viennent d'Ajaccio, mais pas seulement. Ce camion arrive de Calvi. Il a déversé donc 25 tonnes 04 sur notre site aujourd'hui. Donc ce déchet va être retransmis sur le site de Vigianel. Et voilà, donc tout roule aujourd'hui. Plusieurs centaines de tonnes de poubelles restent encore entassées dans toute la Corse.